on y est presque. Le plus délicieux dans la livraison, c'est le coursier. Je suis à la maison, et pas les mains vides. Tu voles encore des enfants? J'ai pas pu résister. Arrête, comment tu peux faire ça? Elle est si petite. Ouais, ça la rend encore plus savoureuse. Lève-toi, chérie. Tu es une fille intelligente. Et c'est juste de la toucher, toi. Quel ennui. Tu es si jolie. Bienvenue dans la famille. Oh! Bien sûr, il faut juste un peu de temps et de patience. Voici notre album de famille. Regarde. Wow. Pourquoi je suis pas dedans? On va arranger ça. Tu aimes cette photo? On va la mettre ici, à côté des autres. Traître. Je t'aime tellement. Elle ne m'a jamais dit ça. Ok, la belle affaire. Je m'envole. Waouh, je veux faire ça aussi. Tu vas bien? Je pense qu'elle va bientôt être fatiguée. Ou pas si vite que ça. Allez, viens. Vole. Je peux pas. Oh là là, pourquoi? Waouh, maman, c'est pour moi? Eh oui, merci, c'est le meilleur cadeau. Maintenant, allons-y. Un vrai vampire a besoin d'aile et de crocs. Entraînons-nous à mordre. D'accord, je suis prête. Mord ici. Croc. Voilà, tu peux le faire. Allez. C'est du plastique? Non, j'en veux pas. Allez. Prêt? Ouais, exactement ce qu'il nous faut. Allons dans le salon. Tu m'aides? Bien sûr, maman. L'essentiel, c'est de ne pas se faire mal. Tu as réussi. Mort. Waouh, ça, c'est des vrais dents de vampire. Merci, maman. C'était délicieux. Je peux tout manger. Quelle petite gloutonne. Ne t'éloigne pas. J'allais pas le faire. Oh, et c'était une erreur, petite casse-pied. Et qu'est-ce que c'est que ça? Des trous de crocs? Burk, pas de manière. Lave ça avant que les autres ne le voient. Quoi? Maman, elle m'offense! Chérie, je suis de retour. Qu'est-ce qui se passe ici? Arrête! Vous vous disputez? Léa, laisse-moi tranquille. Je voulais juste aider. Oh! Comment ça va, chérie? C'était à moi! La 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 la! Les vampires règnent! Quoi? Mes yeux! Arrête! Ça suffit! Donne-moi ça! Maman! Tu ne peux plus rien faire toute seule! Balance! Léa, encore! Qu'y a-t-il, ma petite fleur? Qu'est-ce qui ne va pas? Viens voir maman! Maman, je faisais que jouer! Tu veux un nouveau jouet? Bien sûr que oui! Mais on est des vampires, alors nos bulles auront une couleur sanglante! Ajoutons un peu de pigment et le tour est joué. On met ça dans de l'eau savonneuse et c'est parti! Waouh, c'est trop cool! Allez, maman! Léo! Je comprends pas! Qui a fermé les portes? Eh, ouvrez! Oh, une autre entrée! Ma mère m'a dit qu'il fallait nettoyer ici aussi. Waouh! On dirait que j'avais raison. Tu feras partie de ma collection personnelle. Wow. C'est génial! Ok, pas de distraction. Voyons ce qu'elle prépare. Je crois que c'est ma chance. Cette fois-ci, maman ne te protégera pas. Attrape ça, ma sœur. Hein? Oups. C'est trop bizarre. D'où ça vient? Chérie, t'es là? Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai raté la chasse? Tout va bien. Ça va? Oui, cool. Je crois qu'on n'en a pas besoin maintenant. Va jouer. Oh non, je pourrais jamais l'enlever. Te voilà, et voilà ton téléphone. Merci. Comment j'enlève l'étui? Je peux peut-être l'essuyer. Attends, quoi? C'est pas un vrai téléphone. Maman, mon téléphone se transforme en carton. Je n'avais pas remarqué. Tiens, prends ça. Oh, merci, c'est beaucoup mieux. Délicieux. Hey, chérie, pense à tes dents. Comment je fais pour la distraire? Je sais. Tu veux peut-être aller chez le dentiste? Dentiste? Oh. Ok, dentiste, et alors? Sérieusement? D'accord, je vais m'en occuper. Si tu manges beaucoup de bonbons, les bonbons vont commencer à manger tes dents. Pour éviter ça, tu dois te brosser les dents tous les jours. T'as compris?
Oui, c'est facile. Essayons sur ses fausses dents. Regarde, la carie a tellement peur du dentifrice qu'elle veut s'enfuir. Des dents propres et surtout saines. Waouh, si je me brosse les dents, ce sera pareil? Alors j'en suis. Quelle fille intelligente. Ouais, je ferais mieux de prendre un goûter. Je vois tout. Oh, je suis un vampire. Hey, arrête de crier. C'est l'heure d'aller au lit. Tu as sûrement raison. Je vais te lire un conte de fées. Il était une fois, dans une forêt très, très lointaine. Je connais ce conte de fées. Vivez. Vivez. Alors, qui vivait là? Hé, réveille-toi! Oh, c'est vrai. Où nous sommes-nous arrêtés? Il y avait une grosse araignée. Et son ami chauve-souris. Oh. Et puis est arrivé le chassage. Tu peux faire une pause? Oh, chérie, tu dors? C'est trop mignon. Je t'aime, ma sœur. Milana, voici Marie. Bonjour, t'es cool. Ah, t'es une humaine? Pas n'importe quelle humaine, mais ma fille adoptive. Enchantée, Marie. Quoi? T'es si naïve. Tu vas regretter d'être venue ici. Je vais dormir. Non, ne fais pas attention à elle, ma chérie. Milana est juste un peu jalouse. Il y a quelqu'un dans le cercueil? Milana, je sais que tu es là. Ouvre! Pas de nettoyage nécessaire, merci! Ne pas déranger! C'est pas parce que tu as une imprimante que tu peux imprimer ce que tu veux! Ouvre la porte! Tu ne sais pas lire! Encore un coup comme ça et plus personne ne t'embêtera! Silence! Ou peut-être devrais-je compter tes crocs pour toi? Va t'excuser auprès de ta sœur! Pas question! Tous mes voeux t'accompagnent! Pas si vite! Tu es un vampire adulte, mais tu te comportes comme une enfant de 100 ans. Tu aimes les panneaux? Tiens, te voilà assignée à résidence. Ici, on peut jouer toute la journée. Entre et mets-toi à l'aise. Pourquoi tu ressembles ici à une prison? Tu es observatrice? Laisse-moi juste ajuster ton collant. Est-ce qu'ils sont trop serrés? Ça devient suspect. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas être blessée et comme personne ne t'embêtera... C'est reparti! Je peux veiller sur toi! Tu as oublié que les enfants n'ont rien à faire en prison! Quelle merveilleuse famille nous formons! Je suis si heureuse que les filles soient devenues amies! Je suis sûre que ce n'est que le début de quelque chose de plus grand! Le sac à dos de Marie? Il est affreux! À la poubelle! Ma fille ne mérite que ce qu'il y a de mieux! Et quoi de mieux que du fait main? Et le sac sont prêts. Wow. Oh, salut Milana. J'arrive pas à y croire. Est-ce que c'est ce que je pense? T'es la meilleure. Non, c'est pour Marie. Quoi? Encore? J'en ai pas besoin. Je vais au cercueil avant que tu ne le donnes à Marie. Avec de si petits pas, tout semble beaucoup plus grand. Que t'est-il arrivé? C'est Milana qui t'a fait ça? Viens ici. Oh, je l'ai échappé belle. On était en train de jouer. Ok, t'as pas besoin de ça. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Et voilà. Waouh, c'est trop cool. Quelle heure est-il maintenant? Oh là là, il faut se dépêcher. Prenons juste l'essentiel. Et un jouet de plus. Fais-moi voir. Non, tu n'as pas besoin de cette boule de poussière. Prends des doigts marinés, un rein et... C'est dégoûtant. Et où te laisserais-je aller sans un paquet de sang? J'espère que je pourrai partir avant le déjeuner. C'est délicieux. C'est bon, t'es prête. Attends, tu y vas comme ça? C'est pas possible. Je sais. Merci, maman. De rien, ma chérie. N'oublie pas ton sac à main, tu en auras besoin. Bonne journée. Au revoir. Je t'attendrai. Quoi? Déjà de retour? J'ai raté mon test de vampire. J'ai tout écrit, mais le prof m'a dit que Lincoln ne chassait pas les vampires. L'essentiel, c'est de savoir faire peur aux gens. Ouais! Crains-moi! Un peu moins de salive, chérie. D'accord, je vais te montrer. Arrête, s'il te plaît! C'est pas trop dur, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que vous préparez, famille? Est-ce que j'interromps quelque chose? Je sais! On dirait que je suis arrivée au mauvais moment. Je vais aller me promener. Ces cris m'ont décoiffé. Il faut que j'arrange ça. Attends, comment tu fais? On ne te voit pas dans le reflet. Et si on te donnait aussi une nouvelle coiffure? J'ai quelque chose pour toi. Ce gadget permet de faire des rubans pour les cheveux. Je vais te montrer. Ouvrons l'appareil et chargeons-le de rubans de satin. Plus c'est soigné, mieux c'est. Fixe-le avec les dents. Tu vois? C'est comme ça que les vampires se font des tresses. Pas mal, non? Deux rubans valent mieux qu'un. Je pense qu'il te va très bien. Waouh, c'est magnifique! Oh. Comment va ma fille? Je vais aiguiser mes griffes pour qu'elles ressemblent à celles d'un vampire. Mais ça marche pas! Oh, ne t'énerve pas. Laisse-moi t'aider. J'ai quelque chose pour toi. C'est une imprimante à ongles pour vampires. Une chose indispensable dans le monde de la manucure. On dessine un motif sur la plaque pour les griffes. Passe en mode actif. N'aie pas peur, mets ton doigt ici. Maintenant, appuie sur le bouton pendant quelques secondes et waouh, c'est incroyable! Félicitations, chère fille! 987 ans! Une seule fois dans une vie! Vous vous êtes souvenus? Comme c'est agréable! Yay! Merci, vous êtes la meilleure famille! J'ai une surprise pour toi aussi! Je sais que t'aimes beaucoup, alors tiens! C'est vraiment pour moi! Oh, Marie! Joyeux anniversaire, chérie! Tu vas couper le gâteau? Bonjour! Je voudrais me choisir une maman. Bien sûr, t'es venue au bon endroit. J'ai une maman très expérimentée ici. Non, trop d'enfants. Pourquoi pas, Big Mama? Non, pas ma tasse de thé. Alors, j'ai l'option parfaite. Une maman très riche. Ok, je la prends. Où est-ce que je signe? Merci d'être venue dans notre agence parentale. Je te souhaite que du bonheur pour toi et ta maman sirène. Quoi, une sirène? Trop tard, le contrat est signé. J'imagine que toutes les familles sont différentes. J'ai une maman sirène et un papa crabe. Ça... Ça... Et ça aussi. Tu veux ça en plus? Bien sûr, je vais tout acheter. Oups! J'ai oublié d'aller au distributeur de billets de l'océan. Eh, c'est pas grave. J'ai un sac en cuir, en véritable poisson d'or. Je vais payer en or. Waouh! Pas mal! Ah, au voleur! Mon sac! Un téléphone coquille? Allô? Qui c'est? J'entends rien. Hein? Rends-lui son sac, sale plancton! C'était quoi ça? Rends-moi mon sac! Il me l'a arraché d'un coup! Merci chérie! Je veux faire un burger. Mais il n'y a que de l'argent dans cette maison sous-marine. Aucun couteau? Qu'est-ce que je peux couper avec 100 dollars? Ah! Bon, je vais juste tout couper avec mes mains. Qu'est-ce que tu fais? Y a pas de couteau ici. T'as mangé trop de méduses ou quoi? Tu pourrais utiliser ce poisson? Un poisson couteau? Super! Je vais manger un burger de poisson. Non! Nom d'une palourde! Ce poisson sert à couper! Hein? Bon travail, ma chérie. Bon appétit. Attends, prends une fourchette. Je dois me laver les cheveux. Waouh, ce shampoing est trop cool. Je l'adore. J'ai de l'extrait d'or sur toute la tête. Nom d'un requin. Mes cheveux sont dorés. Ce shampoing est magique, en fait! Voyons voir! Waouh! Une assiette en or! Je suis riche! Un pop-tube en or! Et c'est que le début!
J'aimerais échanger mon or contre de l'argent. Oups! Tout mon or a disparu. On prend pas ça. Coucou maman! Salut! Maman, tu pourrais me donner de l'argent? J'en ai pas. Mais tiens, de l'écume de mer. Tu peux la vendre. Demande à papa. Papa, t'aurais pas de l'argent pour moi, s'il te plaît? Regarde la queue de maman. Elle est couverte d'algues. Waouh! Regarde toutes ces économies. Merci, maman. Quand tu veux, ma chérie. Maman, papa, on fait du patin à roulettes? Non! Du skate? Il faudra me passer sur le corps d'abord. De la trottinette? Non! Des pales? Oui! Voilà un truc qui nous plaît. Oh, quelle jolie sirène! Coucou, ma reine! Tu veux m'adopter? J'ai la couronne du roi. Maintenant, on dirait qu'on est de la même famille. Je te la rends. Tiens, ta couronne. Ah, enfin. Tu as mon pardon, Archibald. Bébé, c'est cette sirène qui a trouvé ta couronne. Cette sirène va vivre au palais avec nous désormais. Oh, une boîte magique! C'est exactement ce qu'il me faut. Elle va m'aider à devenir roi. Archibald! Réveille-toi, tu fais un burn-out! Va donc prendre une pause. Sirène! Voici ton château personnel à l'intérieur de notre propre château. Dommage qu'il n'y ait pas de piscine. On peut arranger ça? Allez, chérie! Souffle! Vas-y! C'est une pompe dans ta main? Tu veux pas m'aider? Ok, je vais te donner un coup de main. Ça me muscle la jambe. Une piscine! Wouhou! Ah, c'est juste parfait. C'est un requin, ça, ou quoi? Ma petite boîte... Ça mord! Hé, Archie, tu veux jouer avec moi? Ça me va. Il est à qui cet aileron? Archie, je m'amuse comme une folle! Préparez-vous pour la photo de famille royale. Souriez! Rapprochez-vous un peu plus. Oh, ma boîte! Regardez le flash. Mes yeux! Maintenant, je peux voler la boîte pendant que personne ne voit. On est aveuglés. Allez, la boîte, viens me voir. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à Archie? C'est la pire photo de tous les temps. Tout le monde a une sale tronche. J'ai pas l'air si gros dans la vraie vie. C'est l'heure de faire du sport. Oh, ça fait mal. Ça, c'est un exercice pour les vrais rois. Sortir une épée d'un caillou. Je suis plus aussi fort que je l'étais. Chérie, tu dois retonifier tes vieux muscles. T'as raison, bébé. 1, 2, 3, 4. Allez, une autre série. Continue, Archie. T'es pas loin d'être au niveau où j'étais. Le cours de yoga royal. Les asanas de la sirène ont encore besoin de travail. Russe, tu te rappelles de comment t'étais quand on s'est rencontrés? Allez, fais plus d'efforts! Ok, chérie. Je vais retrouver mon énergie. Joyeux anniversaire, ma chérie. Voilà ton gâteau royal. Waouh, trop mignon! Eux, c'est mes amis. Maman, papa, voici Sigmund. Mon meilleur ami des mères. Son anniversaire. Parfait. Bonjour. Arrête de crier. J'ai besoin d'un cadeau pour la sirène, fait avec ce coquillage.
Joyeux anniversaire, sirène. Tiens ton cadeau. Oh là là, merci. Ça, c'est un cadeau pour moi. C'est aussi mon anniversaire après tout aujourd'hui. Allez, donne-moi la boîte. Désolée, je voulais pas te faire de mal. Au fait, tes boucles d'oreilles sont trop cool. Bonjour, mes loyaux sujets. Veuillez accueillir notre nouveau membre de la famille royale, la sirène Nancy. La princesse des mers va vivre dans le palais à partir de maintenant. Et on a une couronne spéciale pour elle. Nancy est maintenant une sirène royale. J'en ai vraiment marre de mon job. Si seulement je pouvais être le roi. Waouh, mon souhait s'est réalisé. Non, je suis toujours qu'un majordome. Je déteste ça. Hé, hey Archie, pire journée de ma life. Je déteste cet endroit, et toi aussi, Nancy. C'est pour ça que j'ai besoin de ta boîte pour changer les choses. On fait la paix? Si t'as tant besoin de cette boîte, elle est à toi. Vraiment? Mes souhaits vont enfin se réaliser. Je veux être puissant. Hé, hey, majordome? Ouais, je ne suis plus qu'un simple majordome maintenant. Sirène, j'ai plus besoin de toi. C'est trop injuste! Ouah! Je m'en occupe, bébé. J'ai besoin de mon épée. Défends-toi, Archibald! J'ai fait peur. Le truc, c'est que t'es plus le roi maintenant. Chéri? C'est moi ton chéri maintenant. Toi? Vénère-moi! Oh, mon roi adoré! Ah, je préfère ça. Mon rêve est devenu réalité. Je suis sur le trône. Et je suis le centre d'attention de tout le monde maintenant. Mais tout ça est vite devenu barbant. Va-t'en, majordome. Ne regarde pas comme ça, ma reine. La sirène et moi ont passé de si bons moments. Je dois admettre que ça me manque. Ok, il est temps que tout revienne à la normale. Je veux plus être roi. Qu'on revienne dans le temps. Archibald! Attends, il a changé. Quoi? Il est gentil maintenant, n'est-ce pas, Archie? Tiens ta boîte sirène. Et le trident. Tu peux le garder. Bébé, bienvenue dans ta nouvelle chambre. C'est pas trop mignon ici? Un nouveau lit? Il est horrible! Oh, je peux pas regarder ça. Papa, tiens ça. Ce lit-là me plaît beaucoup plus. Waouh, tu veux le décorer un peu? Les diamants et les rubis, ça donnera un côté royal. J'en suis pas si sûre. Bon appétit! On prend la fourchette dans la main gauche et le couteau dans la main droite. Oh là là, trop chiant! Oh, un repas! J'ai un petit creux. Non, chérie, regarde! Tu dois apprendre les bonnes manières. Ok! Cette vieille couronne est toute poussiéreuse. Voilà qui est mieux. Une moustache? Ça lui va bien, tiens. Édouard! Désolée, bébé. Salut beau gosse, t'es canon aujourd'hui. Enfin, comme d'habitude. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai oublié de nourrir le chien. Bailey, à table! Où est-ce que t'es passé, mon bébé à quatre pattes? Quoi? Tout ça, c'est de ta faute! Qu'est-ce que t'as fait à Bailey? Rien, c'est du jus de tomate. Et d'où vient ce collier? Bailey, ma fifi! Tu m'as fait une peur bleue! Bon sang! Elle pourra rien faire cette fois! Chérie, viens par ici! Regarde ce que notre fille emporte à l'école! Un crâne? Dana! C'est pas à moi!
Oh, c'est un globe. Maintenant, je comprends mieux. Bonne fille. Merci. Viens avec moi. Je vais avoir faim à la fac. Alors, autant prendre un petit goûter. Voilà, c'est mieux. Je peux y aller. Ma couronne doit briller. J'ai trop la dalle. C'est qui le garçon le plus mignon? Papa! Bou! Hein? C'est qui? Ta commande! Une livraison? Passe-moi ça! Et l'argent? À manger! Oh non, mais qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que ça va? Tiens l'argent! Tu peux tout prendre! Ouh, quelle journée! Ah, quelle belle matinée! Je vais nettoyer la chambre de ma fille. Oh, mes cheveux ont besoin d'être brossés. Qu'est-ce qu'on a là? Très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Un sèche-cheveux, ça tombe bien. Waouh! Ma coiffure est fabuleuse. Maman, viens par ici. Comment tu te sentirais si tu te réveillais comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-la partir! Bébé, t'as tout faux! On fait que de s'amuser. Tu penses quoi de ma nouvelle coiffure? Notre fille a fait de son mieux. C'est horrible! Mais quel cauchemar! C'est la cata! J'ai des rides partout! Maman est triste. Comment je pourrais l'aider? Je sais. Miam! Oups! Qu'est-ce qui m'arrive? T'as plus de rides, tu resteras jeune pour toujours. Oh bébé, je pourrais jamais te remercier assez. Oh, comme c'est mignon. Alors lâche ton like. Non! Ça a marché! Je suis un vampire maintenant? Mais pourquoi? Ma morsure est en forme de cœur. Bon sang! Je veux pas être un vampire. Le bon côté des choses, c'est qu'on sera jamais vieux. Les vampires peuvent faire plein d'autres trucs. Waouh! Regarde, c'est simple. Tu peux aussi y arriver. Moi? Je vais essayer. Non. Oh! Ah, je vois. Oh, waouh! Oups! C'est du ketchup. Je l'ai volé au drive. Servez-vous. Merci, c'est trop bon. T'as l'air hystérique. Pas mal. Bouh. C'est mieux. Mais il faut que vous changiez de fringue. Pourquoi? Les vampires portent plutôt ce genre de truc. J'adore! C'est l'heure du relooking! Puisque j'ai un diadème maintenant, autant m'asseoir sur le trône avant que mes parents se lèvent. Ouais, c'est pas super confortable. Une cachette! De l'argent, du chocolat, un diadème? Qu'est-ce que c'est? Un certificat d'adoption? Oh zut! Oh non, je suis pas votre fille biologique! Bébé, attends! Dana, ma chérie! Qu'est-ce que c'est? Pardonne-nous, on t'aime? C'est vrai! Je vous crois pas, je suis pas votre vraie fille. Chérie, allez, pleure pas. Et le certificat alors, hein? Chérie. Y a pas de certificat. T'as toujours été notre fille. Vraiment? Alors on va faire un test ADN. Bébé. Lâche-moi. J'ai peur des aiguilles.
Papa, laisse-la. Elle a déjà donné tout son sang pour ses tests. Suivez-moi. Aouh, doucement. Chérie, pas maintenant. Il y a plein de flacons délicieux ici. Miam, miam. Je peux te parler? Les résultats sont arrivés. Ah ouais? Maman, papa? Compatible à 100%. On est une vraie famille.